Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Tarmac B pour le troisième tournoi Tarmac Online. Je suis Razmeltor et pour commenter ce deuxième jeu, je suis avec Adz. Yo Razmelt, enfin re, je suis hypé là. Là je suis hypé de voir des matchs parce que Rocket League à haut niveau, j'aime trop regarder ça, c'est trop intéressant à regarder. C'est le genre de jeu où même si tu connais pas forcément le jeu à fond, tu te poses devant le match et tu kiffes. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Alors voilà, c'est assez accessible hein, en tout cas d'un point de vue spectateur. Donc je vais rapidement, si vous voulez, pour ceux qui ne connaissent pas trop Rocket League, vous parler. Donc là, on est sur des tournois 2v2. Ça va être des BO3. Donc la première équipe qui gagne deux matchs remporte la manche. On est en quart de finale, il n'y a pas de loser bracket. Donc une seule chance, l'élimination, c'est terminé. Et voilà, donc il y a un ballon. Vous disposez d'une ressource qui s'appelle le boost, qui est disponible sur la carte. Elle ne remonte pas automatiquement, il faut aller les récupérer. Et ça vous permet de vous envoler notamment, mais aussi d'accélérer brutalement en fait, hein, peu importe. Et l'objectif, c'est de marquer le plus de buts en 5 minutes, tout simplement. 5 minutes, hein, ça va très vite. Hein. J'imagine même pas les grosses compétitions mondiales où tu dois tout tu dois gérer en fait. C'est le moment où tu dois pas te choquer. Parce qu'il y a des compètes qui se jouent en 5 minutes par match, ça doit faire très mal. Hein. T'as pas alors le droit d'aller. La régie pouvait appuyer sur rond, comme ça on cachera peut-être la petite barre. Le spec, voilà, super. Parfait. Super réactif. En tout cas, ouais, donc évidemment, hein, vous connaissez K-Dop, mais c'est pas le vrai K-Dop, hein, je précise, évidemment. Yep, j'ai vérifié, c'est pas lui, les gars. Non, puis de toute façon, ça se verrait sur le scoreboard hein, directement. J'avoue. Donc, c'est un jeu qui peut avoir l'air simple, mais je précise un petit peu, il est assez unique en son genre, puisqu'il n'y a aucune relation, en fait. D'aide par rapport au ballon, c'est-à-dire que vous avez un contrôle assez pointu de la voiture. Je dis possiblement parce que ça nécessite beaucoup d'entraînement. Vous pouvez, il y a un mouvement gyroscopique dans les airs quand vous sautez. Vous avez deux sauts. Bref, on peut faire pas mal. On peut bouger un petit peu sa hitbox dans tous les sens. Mais la balle, elle réagit aux impacts de manière complètement indépendante. Il y a aucune assistance. Hein, c'est pas le cas dans beaucoup de jeux. Souvent, les gens font l'erreur de comparer Rocket League à un jeu comme FIFA. Et en fait, ça n'a strictement rien à voir. Hein. Pour le coup, c'est le jeu qui, selon moi, se rapproche le plus d'un sport réel traditionnel. Vous avez votre hitbox et vous devez faire percuter le ballon et en fonction la balle réagit, mais pas d'assistance hein. FIFA, vous appuyez sur passe. En fait, dans un jeu comme FIFA, vous demandez à votre personnage de jouer. Là, c'est vraiment vous qui jouez. Ça a l'air tellement difficile du coup parce que c'est toi qui dois gérer chaque micro mouvement et comme tu as dit, l'impact sur la balle doit être tellement précis parce que si tu tapes un peu plus à droite ou un peu plus à gauche, la balle va autre part. Donc ça a l'air tellement dur. Tellement dur. Mais c'est satisfaisant aussi, c'est un jeu où il faut s'entraîner, c'est-à-dire que c'est un peu comme un joueur de tennis qui travaillerait ses services, hein. Vous avez des entraînements, vous travaillez des balles, vous faites des gammes et il y a de la mémoire musculaire et après on récupère des réflexes, mais il y a aussi une dimension stratégique, hein. On va pas se déplacer n'importe comment sur le terrain, on va essayer de jouer en équipe, ne pas se rouler dessus, occuper divers espaces de jeu et pour être efficace en game, ne pas dépenser son boost en même temps, ce qu'on appelle communément les rotations. Et il y a toute une dimension stratégique très importante, notamment aussi à haut niveau dans la communication. Alors le format compétitif, normalement, c'est du 3v3, mais le 2v2, okay. C'est très bien. Vous voyez, ils se sont poussés. C'est pas très bien joué de leur part à l'instant. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai l'impression que leur strat, c'est toujours garder quelqu'un un peu en retrait. Je sais pas si c'est le cas en général. Alors, pas du tout. Ah ouais ? Là, je vois que les deux sont en attaque. Mais depuis tout à l'heure, il y en avait toujours un qui est resté devant les cages, au cas où. Alors en duo, ça c'est difficile hein, parce que ce qu'on veut, c'est toujours une personne qui rush le ballon. Oh, c'est le jeu. Dommage. On veut toujours une personne qui rush le ballon et une personne derrière celle qui rush pour au cas où elle rate ou au cas où elle perde son duel. Ok. En gros, il y a trois options. Il y a toujours une équipe qui a la possession. Donc là, par exemple, c'était les oranges. Une équipe qui a la possession et une équipe qui ne l'a pas. L'objectif, ça va être d'empêcher l'équipe qui a la possession de tirer. Donc on va lui foncer dessus en gros. Et le problème c'est que si vous foncez sur quelqu'un qui a la possession, il y a de grandes chances qu'il puisse vous dribbler assez facilement en décalant tout simplement légèrement la balle sur le côté par exemple. Hein. Après il y a plein de manières mais c'en est une classique. Et du coup, l'intérêt de lui foncer dessus c'est de le forcer à justement pousser la balle pour qu'elle perde la possession et pour que la personne derrière vous aille prendre le relais. Et on y va ainsi de suite, chacun son tour en mettant beaucoup de pression. Ok. Oh, c'est dommage, ça fait trois fois qu'il passe à rien de marquer l'équipe. Donc il faut qu'il reste focus, il faut qu'il remette encore un but avant. Sur du niveau là, c'est assez correct, hein, je pense. C'est propre. Hein. Je pense. Après, peut-être parce que je suis nul, j'ai l'impression que c'est incroyable ce qu'ils font, mais. Non, je pense que ça doit être du niveau diamant, champion peut-être. Je sais pas, je vais dire une bêtise, ils vont me trucider. Je sais pas, c'est difficile à dire, du coup. Mais ça se voit qu'ils ont mis des heures, quoi.
Ouais, on est pas des mecs qui viennent dans le jeu. Qui peut être dans les 500-600 heures, je pense, quelque chose comme ça. Ah ouais, quand même. Hein. Ça doit être quelque chose comme ça. Après, j'aimerais bien savoir le. Donc là, vous voyez, il a posé la balle sur sa hitbox, qui est assez difficile. Et derrière, il a essayé de. Quand vous faites un saut plus une direction, bah, la voiture, en fait, elle va faire un espèce de salto. Oh. C'est joli l'aérienne, ça va finir par passer, ouais, c'est normal. Et du coup, on peut poser la balle sur sa hitbox et faire un salto à la voiture, ce qui va catapulter la balle, on appelle ça un flick. C'est assez difficile, alors il l'a raté, mais le fait qu'il essaye, ça me donne une idée sur son niveau. On voit qu'il a gagné un tournoi d'après son titre en platine, donc ça doit être du diamant, je pense, ça doit être du niveau diamant. Ok, ouais, c'est vraiment des personnes qui jouent à Rocket League un peu tous les jours. Voilà, il faut un certain niveau de jeu. Le diamant, c'est, voilà, c'est 500 heures à peu près de jeu, normalement. C'est quand même beaucoup, ouais, 500 heures. Hein. Ah, oh, elle était belle. Un mauvais positionnement, là, c'est dommage, hein, de la part de... Oui, ouais, c'est surtout la faute des défenseurs. Il n'y a personne pour le bloquer. En fait, il faut toujours, quand l'adversaire touche la balle, avoir quelqu'un à lui opposer. Là, le problème, je pense, c'est qu'ils sont partis aller prendre de la ressource en même temps et ils n'ont pas mis de pression, ce qui a laissé le champ libre pour faire un beau tir. Et c'est pas ce qu'on veut. Hein. Le meilleur moyen d'arrêter un tir, c'est d'empêcher qu'il ait lieu, hein, dans Rocket League. Yep. On veut pas être trop beau. Avant qu'il arrive, plutôt que... Il en remet un avant la fin. Non, ça va. Bonne défense. Mais c'est quand même la Bob Team qui prend le premier match. Du coup, c'est BO3. C'est 1-0. Et la terrible défaite de K-Dop. Aïe, 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 K-Dop. Coup dur pour le joueur français. C'est plus que c'était K-Dop, hein. Ah ouais, hein. Il était bon avant. C'est dur en ce moment. T'imagines, il y a des mecs dans le chat qui y croient vraiment. Non, c'est pas le vrai. C'est vraiment pas K-Dop, hein, les gars. K-Dop diamant. Ok. C'est pas du tout lui. Ok, bah beau premier match, il y a du niveau, c'est cool. Il n'y a pas eu un stomp non plus, il n'y a pas eu un 10-0, que ce soit. C'est deux équipes qui savent bien jouer tous les deux, et enfin tous les quatre. Il y a des petites aériennes, ouais. Après, il y a eu des aériennes manquées, il y a des positionnements assez moyens. Mm-hmm. Mais ça tire pas mal, donc ouais, c'est ça, hein, ça doit être à peu près diamant. T'as encore plus de points, donc go. Alors c'est parti. Oh, ça a fait une bonne touch de balle sur le mur. Ouais. On va Nexo directement. Voilà. Ah, il a raté, hein, le 45 degrés, hein, évidemment, sur la crossbar, trop de puissance. Aïe. Oui. Voilà. Bon. Nexoduino. Pas de surprise, Team Sakado contre la Bob Team. Voilà, avec le titre, donc il a le titre champion du monde RLCS, donc qu'il a obtenu en tant que sub. Évidemment, on rappelle, il n'est pas rentré sur le terrain. Mm-hmm. C'est Fury Peak, K-Dop et Scrub qu'il a, qui ont remporté les RLCS saison 7. Et dernière, la dernière LAN, ils ont perdu en finale. Pardon, excusez-moi. L'avant-dernière, du coup. Tu l'as dit en mode ah non, c'est là, ils l'ont perdu. Le petit trash gratuit. Je taquine. Voilà. Bon, alors il faut soit on leur met un malus, soit non, mais c'est trop facile, regarde, ça va être le défilé là et ça part sur un... C'est ce qu'on dirait, on dirait un match de foot des professionnels contre des enfants. Je pense que la différence est beaucoup plus grande que ça. Non, je pense pas. Je pense que ouais, t'abuses. Tu mets Messi contre un enfant. Ouais, c'est vrai contre. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire, genre l'enfant il va être un peu perdu pendant qu'il est en train de perdre. Voilà, RPGL Gamers, c'est la sauce, hein, on va pas se mentir. Aïe, RPGL Gamers, je suis désolé frérot. Ah, ça contrôle un peu quand même, hein. Il y a des notions. Ils essayent, mais après on se moque pas, hein. Pas oublier qu'ils ont 40 000 fois mon niveau, l'équipe qui est en face. Ah oui, non, mais c'est des bons joueurs, hein. C'est juste qu'ils sont contre deux personnes qui sont trop fortes, quoi. Ils sont contre deux personnes qui sont trop fortes. Il y a une commande stomp, je suis mort. Elle est horrible, la commande. T'as vu ce qu'elle dit ou pas? Ouais, j'ai vu ça. Prenez une équipe claquée et prenez une équipe trop forte. Attendez 3 minutes et c'est bon. Mais la commande, il y a quand même une équipe claquée. S'il veut bien prendre le cash prize. Ah. Ça m'étonne pas, ça. Aïe. Tu sais que je me sens trop mal pour la Teams Bob là. Ils étaient confiants en plus, ils ont gagné leur match avant et tout, et puis tout retourne d'un coup. On sent que c'est pas des mauvais joueurs en plus, c'est juste que bah c'est pas du niveau professionnel côté Nexo, mais pas loin quoi. C'est ouais, juste pas loin. Juste le niveau en dessous. Ah, tu le vois, hein, la façon dont il contrôle la balle, il sait exactement où elle va arriver à chaque fois, il prêche tous les mouvements. Ouais, et tu vois, c'est pour ça que je dis, ça y a aucune chance. Là même, il s'est bousculé, mais ça le gêne pas en fait. Quand à plus haut niveau, tu peux répondre à toutes les situations normalement. Mm-hmm.
il n'y a pas d'upset possible en fait quand il y a une telle différence de niveau. C'est. Il peut pas se faire déranger quoi dans ses plays. Il aura toujours une solution. À part se faire exploser. Ah, c'est le hasard dans le jeu pour que. Je crois que c'est la seule strat. Vous êtes exploser les deux. Bah, même pas, ils vont esquiver. Ouais. Bon joueur, il va devoir arriver, il va t'entendre, il va t'esquiver très facilement. Oh, mais c'est quoi ça? Il se retourne totalement en l'air, il met un gros coup dedans. Il tourne sur lui-même en l'air. Oh là là, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je regarde? Ils vont plus marquer maintenant, là. J'espère. Il y a des petits contrôles et tout, mais voilà, Nexo il est en shadow là. Oh là là. La shadow défense du joueur français. Je comprends même pas ce que je regarde. Ils sont trop forts. Allez, il reste en retrait. La sauce. Il met des petits bumps là. Allez là, Teams Bob, on est pour vous encore. Lâchez rien. C'est bientôt fini. Ben, c'est pas mal. Crossbar. Ouh, il y a eu un petit coup de pression, Nexo là. Le misread. Oh! Oh! Ah, c'est le but. Voilà la Team Swab. Guino est parti dans son propre but. Allez la Team Swab. Il s'est barré. Let's go. On sait pas ce qu'il fait. Alors que le petit Ez a été lâché dans le chat. Quoi? Évidemment. Ah bon? De la part de RPGL Gamers. Pourquoi il écrit Ez? Je sais pas. Ils sont à 1-4. Ça doit être un mécanisme de défense appelé l'humour. Ça ne fonctionne pas. Non, ça va. Il connaît trop bien. Oh là là là. Ça tente des choses, j'aime bien. Ah, un joueur mûr, hein, Brain Pops. J'aime bien. Allez, quand ça continue à tenter. On avait eu un joueur Smash ou Give Up, tu vois, dans le vide. C'est pas fou. J'aime bien la mentalité de petit temps en fait. Quoi qu'il arrive, t'abandonnes pas, tu continues, tu lâches rien. Je sais pas. En ranked, c'est fatigant les gens qui font ça. Hein. Bah ouais. Mais il faut savoir s'avouer vaincu et passer à la suite, quoi. Oui, après si à mon avis, dans les jeux de combat, c'est différent, tu vois. Tu peux faire un comeback tout le temps. Alors, tu perds 5-0 dans Rocket League, il reste 20 secondes, tu peux partir, quoi. Parce que c'est physiquement impossible de remonter. En fait. Ah ouais? Bah oui, tu peux pas marquer. Enfin, à part si vraiment les mecs vont plus à l'engagement et que tu marques but sur but. Je crois que c'est 4 ou 5 4 pas, secondes. Je pense que tu peux toujours gagner. Hein. À part si vraiment tu prends un truc de malade, genre. Mais comme t'as dit, 5 buts dès le début, pour moi c'est toujours remontable. Hein. Oui, 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 5 buts dès le début, oui, mais c'est pour ça que je te dis, en fonction du chrono, s'il reste plus que 20 secondes de match, tu peux partir. Ah oui, non, si tu sais que c'est fini, ouais, c'est fini, c'est clair. Oh non, non, c'est sûr et certain ça. C'est comme si t'es sur LoL et qu'ils ont pris les 3 ennemis. Ils vont mettre du Brésil, je pense, c'est ça le plan de jeu. C'est pour ça qu'ils ont laissé un but rentrer. Ah ouais? Tu crois qu'ils ont fait exprès? Bon, ce serait bien leur genre. On les connaît. Brésil, hein. Ah, ça tombe du toit là. Le Brésil, c'est le 7-1. Du Brésil. Ah, contre l'Allemagne. Voilà, c'est un score symbolique dans RL. Du coup, ils vont aller chercher. Non, mais ça a l'air trop simple. Ça a l'air trop simple. Ça a l'air trop facile. Voilà. Bon. Je l'avais. C'était prévu, quoi. Aïe, aïe, aïe. Et ça va faire pareil hein, en finale, normalement. Ah ouais? Il va peut-être plus résister, je pense, Kev, mais pas beaucoup plus. Je pense qu'il va quand même avoir plus de résistance. Hein. Je sais pas. Là, on n'est pas. Là, il n'y a pas du problème. Là, au contraire, en fait, quand on n'a pas l'habitude, le rythme c'est important et Nexo peut être déstabilisé par les erreurs de ses adversaires. Un GC1 pour un Super Sonic Legend, c'est vraiment un régal, quoi. Parce que c'est très très lent pour l'affronter, mais c'est très facile à anticiper. Il est possible que ce soit pire, en fait. Parce que là, à la limite, Nexo peut être feinté, voilà, je me répète un peu, mais peut être surpris par ce que fait l'adversaire. Alors que c'est le GC1, sur pas mal de jeux. Tout cru normalement. Oh là là. 6-1 avec 20 secondes restantes. Ah, pas de Brésil. Du Brésil, c'est pas fini, hein. Ouais, il y a largement le temps de mettre. Oh, il a failli la mettre dans ce sens encore. Ah, ils se battent pour essayer de sauver la Brésil. Il se bat. Oh, il était pas mal celle-là. Au double commit, Duino, évidemment, la mauvaise vision de jeu du joueur. Oh là, c'est terrible. Ouais. Et la Brésil à la 0 seconde. Oh, ils ont fait la double Brésil à 0 seconde. C'est sévère, c'est sévère. Aïe, 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 aïe. Après cette crossbar, je sais pas s'il a fait. Si tout était maîtrisé là. Point de vue d'un noob, ça avait pas l'air maîtrisé du tout. Maintenant, je sais pas du tout. Après. Grand champion saison 14, hein, évidemment. Enfin, GG les gars. Finaliste. Ça fait plaisir parce qu'ils arrivent à chaque fois en finale et ils gagnaient pas.
Et là, enfin, ils l'ont fait comme bon. Ah, et on est parti du coup pour cette grande finale. Est-ce que le Kev va réussir à s'en sortir? Je pense qu'il va passer un moment de gaming incroyable. Ça part sur le ceiling avec Nexo. Tu vois, il a reset sur le toit là. Il a pas mis de... Et Twino a commit. Donc là, en fait, Nexo, il faut juste qu'il joue safe. Si Nexo joue safe, il va gagner sans problème. Il faut pas qu'il se commit, donc qu'il se jette comme il a fait là. Après, je pense qu'ils sont juste très confiants normalement. Faut voir. Hein. Je sais pas s'ils jouent beaucoup Nexo en ce moment. Ok, Domino, il a une bonne défense. Hein, tu vois, ça tente des choses compliquées, ça utilise tout son boost, ça peut libérer des espaces pour le Kev. Ok. Oh, pas Kicho. Oh, je suis sous pression. Oh, je suis sous pression ce match. J'aime pas ça. Voilà, il va. Ah, c'est raté. On j'ai envie que le Kev prouve quelque chose là. J'ai envie qu'il se passe. Comme il s'est passé la semaine passée et qu'il y ait des outsiders entre guillemets qui retournent la tête. Mais. Oh, pour l'instant, ils ont pas passé le milieu de terrain. Mais ils arrivent à tenir, ils arrivent à défendre. Ah, ils sont en position de torse par terre, ils attendent. En fait, là, ce qui va être déterminant, c'est la gestion de boost de le Kev. S'il arrive à conserver pas mal de boost, il pourra s'en sortir. Duino commit complètement. Le double commit, ça devrait être un but pour Fokitos Fan ici. Non, Duino, il va avoir le temps de revenir. C'est dommage, c'était pas loin. The Pat. Allez, The Pat. Pour réaliser l'exploit. Allez, Oh là là, subit de la pression. Oh là là, le save, c'est terrible. Non, c'était tellement close. Aïe aïe aïe. Du coup, maintenant, faut vite revenir parce que. Bah non, c'est trop. Ils ont. Ah, Nexo. Il y a quelque chose. Nexo en difficulté dans ce début de match. Yep. Malgré qu'ils ont quand même été. Si on peut parler de possession, je sais pas si on. Non, je ne casterai pas. Hein, je réponds au chat les RLCS ce week-end. Ok, ok. D'habitude, je casse tous les week-ends, mais là, pas ce week-end justement, puisque je suis ici. Voilà, simplement. Ah, le kick-off goal, et oui. Contre le joueur expérimenté, je crois, le kick-off. Et ouais. Ça doit être frustrant. Ah ouais, là c'est fichu, le pauvre Kev là, il est fichu. Ça doit être frustrant. Bah ouais, là le deuxième coéquipier ouais, qui peut pas gérer l'engagement. Ce qui est normal, hein, on lui en veut pas. Ah non, clairement. Mais il a essayé de slow kick off, ok, donc il va volontairement. Ou alors il sait pas speed kicker, il sait pas out speed, je sais pas. Il a peur d'avoir. Ça a l'air d'être un joueur très mécanique pour le coup. Le Kev, ouais. Il a l'air de savoir ce qu'il fait, ouais. Clairement. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Ça va être compliqué. Hein. Oh. Ouais, les challenges qui s'enchaînent. Ouais, alors, ils sont vraiment plantés dans le camp. Ouais, là, ouais. Ah ouais, non. Il arrive pas. C'est pas possible tout seul. Il aurait fallu deux. Ça aurait été un beau match avec deux Le Kev, je pense. Mm-hmm. Ça aurait déjà été compliqué, mais ça aurait. Ils auraient perdu quand même, je pense, mais ça aurait été un match serré. Là, je pense qu'ils vont vraiment avoir beaucoup de mal. Ça flex en plus là, il essaie pas de faire. Il joue en team alors. Ah et en face ça commence à galérer. Ouais. Normal, trop dur. Ah, Pokitios Fan, on vous aimait. Je suis désolé les gars. Ouais, hein, j'essaye d'être positif depuis le début, mais j'ai. Mm-hmm. Moi je suis pour eux quand même, hein. Je suis pour Pokito, mais. Oh, bah, c'est dommage en plus, ils auraient pu faire la différence dès le début. Je suis obligé, hein. Ah oui, non, toi tu. Je joue ma place sur le Discord. T'es menacé en ce moment là tout de suite. T'as pas le droit d'être contre eux. Aïe 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 aïe. Non, c'est dommage. C'est dommage qu'il ait pris un pote à lui. Après, peut-être que son pote à Kev, ça. Jeu. Il y a des gens délus dans le chat. Hein. Comme à chaque fois sur Rocket League. Comme quoi, celui qui a dit que s'il jouait avec Romain, il aurait gagné. Ouais, je pense pas que Romain puisse. Je sais pas qui est Romain, frérot, ouais, mais. Je connais pas Romain, du coup. À part si c'est le deuxième prénom de K-Dop. Ou d'un autre joueur pro. mais je pense pas qu'avec le petit pote Romain, ça aurait fait une différence. Hein, vous, en face. Ah, ça aurait peut-être été plus serré, mais. Ah ouais, c'est bien joué, voilà. Il aurait pu marquer là, il a trollé. Bon, il marque. En vrai, plus, ça ouais. c'est. Tu vois qu'il y a aucune différence, hein. Avec l'équipe précédente, en fait, ça change rien. Ouais, clairement. Ils essaient déjà plus de marquer, c'est plié. Mm-hmm. Ils vont essayer de s'amuser. Voilà, ils font les cons. Pardon, ils font n'importe quoi. Aïe, 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 aïe. C'est dur. Et c'était ce que. C'était d'ailleurs. C'est d'ailleurs ce que disait Zerator quand il parlait de Rocket League. Je lui avais demandé s'il comptait refaire après la Zen 1 de retenter sa chance. Il disait que, comme ils l'ont essayé au Game Pass, de mettre Rocket League.
qui avait été gagné par Gaspo, qui est un coéquipier à moi actuellement d'ailleurs, et Skyheart, le Game Pass. Ah. Et il y avait Rocket League, et il disait que bah, sur le papier, c'est génial de s'entraîner, d'un point de vue joueur, c'est génial, mais d'un point de vue spectateur, ça peut être embêtant quand il y a des différences de niveau comme ça, parce que là... Là, il n'y a pas vraiment de match, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que... Il se passe pas grand-chose, même s'il y a eu des buts, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, ouais. La game était pliée. Mm-hmm. Ça, c'est un peu dommage. L'inscription, en fait, c'était déjà gagné. Aïe. Et ils vont faire la double Brésil, j'imagine, encore. Ah, c'est compliqué. Hein. Donc là, il saute pour éventuellement bump, tu vois, au moment du tir de son coéquipier, ou feinter le fait de rediriger la balle. Encore une fois, si vous arrivez à attirer l'œil du défenseur, il va essayer d'aller chercher la Brésil. Ça aurait été propre. Hein. Bon, encore une minute de souffrance et puis il peut souffler un petit peu avant le deuxième match. Mais Ouais, Romain qui dit qu'il est GC3. Peut-être avec un GC3, ça aurait pu être plus équilibré. Mais... Plus équilibré, ouais, mais pas... Exo et SSR. La phrase était un petit peu abusée dans... Si Romain était là, ils auraient gagné. Ouais, c'est ça. Après, ça, pour le coup, GC3, GC1... Ouais, non. Ça aurait été plus serré. Ça aurait été plus serré, on va dire. C'est ça. Mais Duino et GC1, donc l'équivalent à peu près de Lokev. Mm-hmm. Après, SSL et GC3, c'est pas la même. Hein. Ah non, là on parle du level max. Hein. C'est un ancien joueur compétitif, Nexo, qui a fait, mm-hmm. voilà, qui a fait les LCS. Il y a les ranks, ça évalue le niveau... en ranked, mais en vrai à très haut niveau on parle même plus en rank, ça n'intéresse personne. C'est un peu comme sur CS, j'ai l'impression. C'est à plus parler de Faceit que parler de... Oui c'est ça, c'est en tout cas la valeur d'un joueur, pas sur le ladder, bon c'est pour s'entraîner en fait. On s'en fout un peu, ouais clairement. Les gars ils poussent un peu, non. Ils passent le pain, puis il y en a un autre qui rejoue, ça joue autant de jeux quoi, c'est-à-dire que... Après je pense pas que ce soit le cas de Nexo maintenant, mais... Tu sais j'étais à fond dans le move là parce que ça aurait été la première fois de match qui... et où le temps est rallongé à cause du fait qu'elle soit en l'air la balle et il allait la mettre. J'ai jamais vu un but comme ça, je sais pas si ça arrive souvent ou pas. De... Mais qui reste 0 secondes et qu'elle doit rester en l'air. Et que... Ça arrive assez souvent à haut niveau, ouais. Ah ouais à haut niveau, bah ouais, parce qu'à haut niveau, ils arrivent à maintenir la balle en l'air assez facilement, ils peuvent la mettre sur le toit de la hitbox, ils peuvent mieux anticiper. Ah c'est trop beau à regarder Rocket League par contre, vraiment. Ouais c'est sympa. Faut juste que les matchs soient plus serrés et là ça rend ça vraiment intéressant. Il y a beaucoup de compétitions depuis la reprise d'Epic, ils ont changé le format des RLCS, il y a énormément de compétitions. Là il y a les RLCS Europe ce week-end, lundi, mardi à The Grid. Ok, donc ça va ils enchaînent quoi. Et lundi on fait un test ce qui est niveau sub-top, donc c'est quand même du bon niveau, bah, du coup niveau Nexo quoi. Mm-hmm. Donc il y a de quoi se faire plaisir quoi. Ils leur ont pas laissé le temps de respirer, t'as vu, ils ont enchaîné directement sur le deuxième match. Bah oui, non, ça c'est normal dans le sein des BO d'enchaîner les matchs, il n'y a pas de pause entre les matchs. C'est entre les BO que les joueurs ont droit à des pauses. Mais là je me disais, ils ont peut-être besoin de 5 minutes. Ah, je sais pas si. Pour aller boire de l'eau. C'est plutôt 3, c'est plutôt un an d'entraînement qu'il leur faut là, 5 minutes de pause. Aïe. Minimum. Mais ça me fait mal de dire ça en plus, parce que je sais très bien que l'équipe de Lokev. Je peux prendre mes potes, on vient à 10 contre 2, ils nous... Ah oui, non, mais c'est... C'est juste que là, ils sont contre des monstres, quoi. Le Kev joue bien, donc voilà. J'ai pas envie de leur retirer le mérite d'être des gros monstres. C'est juste qu'ils sont tombés, malheureusement, contre les mauvais adversaires, hein, des mecs qui rigolent vraiment pas. Et puis, à très haut elo, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... plus tu montes, plus c'est dur de monter, entre guillemets. C'est-à-dire que plus l'écart, en fait, entre les joueurs est important. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Entre le top 1 et le top 20, il y a une énorme différence. Alors qu'entre le top 420 et 440, bah, on s'en fout, c'est la même chose. À peu de choses près. Ouais, je vois. Oh là là. Je sais pas si Nexo est top 100 sur le ladder mondial, ça, je pense pas. Je pense qu'il joue moins à Rocket League maintenant. Bah, mais il est pas mal à Trackmania donc. Sur le ladder, Nexo. Ouais. Enfin, s'il voulait, il pourrait quoi. C'est, mm-hmm. C'est plus sa priorité, mais. Oh non, t'inquiète, Simo, j'avais compris. Don't worry, my friend. Parce que là moi, je m'y connais pas du tout hein, sur Rocket League. En termes de rang, si t'as un mec qui est au rang max, et deux mecs qui sont... Déjà, ça veut rien dire. Hein, parce que là, le SSL, il est à 1850 points, mm-hmm. quand même. Et les plus hauts, ils sont déjà à 2300, je crois. Ça monte à l'infini, en fait. Ah. Je sais pas si c'est le cas cette saison, j'ai pas regardé le... Donc, dans le rang, ça continue à monter? Ouais bah en fait c'est pour ça qu'avant le grand champion voulait pas dire grand chose puisque tu pouvais avoir 1000 points de MMR, ça pouvait être du simple au double.
contre un grand champion juste GC et les meilleurs. Mais là, c'est valable aussi pour le SSL, même s'il est plus dur à avoir cette saison et que les points ont plus de valeur. Mais il y a quand même une différence entre un SSL. Mais voilà, même entre SSL, il y a une énorme différence entre le gars qui a 2200 points et celui qu'on a 1850. C'est le jour et la nuit. Ok. Moi, je peux peut-être attraper le SSL et encore là, je l'ai pas cette saison parce que j'ai pas trop pu jouer. Mais un type sub-top qui monte à 2200 points, il me défonce. Il y a une énorme différence. C'est atroce. Je me fais détruire. C'est incroyable le skill gap qu'il y a sur ce jeu. C'est ça. Il y a moyen de. Bah, comme tu disais tout à l'heure, il y a moyen d'avancer, d'évoluer tout le temps. Il n'y a pas une limite où tu arrives à un niveau et tu es en mode. De niveau, hein, ça peut monter. Hein. Ah! Oh là là! Le long shot! Et ouais, la grosse erreur là, il lui a rendu le ballon. Hein. C'est juste. C'est vraiment ce qu'on veut éviter. Hein. Bon, voilà. Mm-hmm. N'importe quoi. Ils ont voulu pincher, je pense. Il lui a rendu la balle, 3-1. Donc c'est dans la poche. Ça va, il sauve un peu l'honneur là, c'est cool. Ils vont éviter de finir sur un 10-0. Au moins là, ils pourront dire qu'ils ont essayé. Après la première game, je pense qu'ils évaluaient le niveau de leur adversaire. Il y a moyen. Et là, du coup, ils ont vu que bon. Ils étaient quand même assez sereins. Donc là, le fake challenge hein, qui fait semblant de mettre la balle sur le côté, au dernier moment, il fait opposition avec sa voiture en calculant que si le fake challenge marche, qu'est-ce que va faire l'adversaire. Du coup, on donne l'impression à l'adversaire qu'on va faire un certain mouvement, et au dernier moment, on prend le contre du mouvement qu'on a induit. Oui, je vois. Phrase un peu. Mais ça va, j'ai vu le mouvement. Faut que je la bosse cette phrase. Cette explication, tu vois, elle est pas au point. Il y a moyen d'optimiser un peu plus. Ouais. Je peux optimiser les mots. Pour plus simple. Non, je fais pas de cast. De façon. Mais c'est incroyable en vrai de taper un dodge et hop, revenir. Et t'es dans la tête du mec en face quoi. C'est ça, tu fais semblant d'aller sur la balle, c'est des fake challenge en fait. On force l'adversaire à jouer, mais en fait on n'y va pas. Parce que j'ai l'impression limite. Bah non, ce que j'allais dire, c'est ça a totalement été counter parce qu'il vient de se passer. Alors là, sur Rocket League, c'est tout le temps comme ça. J'ai l'impression que l'équipe de Kiev, ils font moins d'erreurs, tu vois, que l'équipe de Nexo, qui eux se permettent plus. Oui, et au moment où je dis ça, bah, Kiev va rentrer la balle dans son camp. Ouais. Je rends pas l'air. Oula, la communication qui laisse à désirer dans la team Sakado, évidemment. Ah oui, mais là, je pense ils ont de la musique à fond, ils se même pas. Je pense qu'ils sont arrivés à un stade là où il y en a un qui est sur Netflix. Hein. Ils regardent même plus la game. Ah, terrible crossbar de la part de Duino. Oh là là. Quel massacre. C'est vraiment le feeling que j'avais au début, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent en fait. Ah, et encore, on peut faire beaucoup beaucoup mieux hein, d'un point de vue théorique au moins. Tu veux voir un petit peu, je t'enverrai des vidéos de ce qu'on peut faire. En créatif ou en match? Alors c'est des gars qui font du créatif, c'est des freestylers qu'on appelle, pour voir un petit peu où est-ce qu'on peut pousser le jeu. Et le compétitif et le freestyle, c'est deux disciplines très différentes. Après c'est une discipline qui apporte quand même quelque chose si t'es pro quoi. Bah, c'est eux qui inventent les moves déjà. Ils inventent les moves, ils sont repris après par les joueurs pros qui les ramènent à leur sauce quoi. Ils les rendent compétitifs en s'inspirant de ce qu'ils inventent, les freestylers. Okay. Et puis c'est pour voir un petit peu les limites mécaniques du jeu. C'est stylé en vrai. Il y en a des très très impressionnants. Hein. 22 secondes pour sauver un peu l'honneur et pas du tout. À zéro boost. Ça passe pas. Du coup là il se serait reboost en l'air, il aurait tapé un flip. Il aurait pu la frapper lui-même sur le backboard pour ensuite aller la redunk dans le but, on appelle ça une double tape. Mais vu qu'il avait plus, il a dû regarder la balle. Il avait pas de boost, il a essayé quand même de retomber sur la balle en calculant la trajectoire initiale, en poussant sa balle de manière à pouvoir retomber dessus juste à l'aide de la gravité et de sa vitesse initiale. Et ça c'est pas facile du coup. GG. Ouais. En tout cas c'était bien cool, très heureux d'avoir fait ta connaissance et d'avoir fait ce cast sur la chaîne de Tarmac. Voilà, donc allez sur le site, allez vous inscrire, il y a plein de tournois de prévus, c'est des packs de différents jeux, c'est des tournois multigaming, il y en a quasiment toutes les semaines, hein, si j'ai bien compris. C'est ça, on va vous laisser là. Hein. Voilà. On va vous abandonner. Allez, passez une très bonne journée, soirée, et puis à demain du coup.
pour la fin du tournoi. À demain.